Réhabilitation de bassins existants, création de 3 nouveaux équipements, l'objectif est simple, il faut améliorer l'offre en ce qui concerne les plans d'eau municipaux. Avec 10 bassins à Nice, le nombre de piscines est insuffisant, la commune se situe en dessous du ratio moyen français qui est à un bassin pour 10. 000 habitants, juge le maire Christian Estrosi. Et les équipements sont parfois vétustes. Il y a un manque de lignes d'eau pour le public, pour les clubs mais également pour les visiteurs, constate l'élu niçois en évoquant une offre peu diversifiée. Il a alors présenté un plan piscine, en insistant sur la dimension d'attractivité à renforcer en donnant des créneaux importants aux hôteliers niçois. Ainsi, 3 nouvelles piscines seront construites et livrées entre fin 2025 et début 2028, dont une à la Cité des Sports avec 2 bassins de 50 mètres. Les 2 autres seront à la base nautique Cara et au port de Nice, avec des bassins en eau de mer et un espace plongé. En parallèle, les bassins de l'Ariane, Saint-Roch, Saint-Augustin, Comte de Falicon et le Piolle seront réhabilités. Le montant des investissements prévus par la mairie est estimé à 120 millions d'euros. Zéro commentaire, zéro partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute. Imprimé.